gars, c'est Susucre, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Bleach, Brave Souls. On est le 18 novembre et aujourd'hui, nouveau portail, nouvelle loterie. Comme d'habitude, tu commences à comprendre, c'est pas vraiment un nouveau portail puisque c'est une réédition de personnages qui sont déjà sortis il y a déjà quelques temps sur le jeu. Mais tu sais aussi que, eh bien évidemment, ça fait quoi, 2 mois maintenant quasiment que je suis sur le jeu. Et donc forcément, j'étais pas là quand ces personnages-là sont sortis. Et il y en a parmi ceux-là qui m'intéressent fortement. Alors attention, on est le 20 novembre quasiment. On a le portail de fin de mois qui arrive aux alentours du 30. Avec probablement cette fois-ci des personnages qui ne seront pas premium, je l'espère. À moins que Clab soit un peu fou, même si je doute pas de leur folie. Eh bien, il faut quand même faire attention à ces orbes. Donc on va pas forcément faire un énorme craquage. Enfin, je pense pas. Mais on va quand même invoquer quelques petites orbes à pas piquer des hannetons, puisque tout simplement, on a la réédition des portails des Kenpachi qui sont disponibles, et vous allez voir qu'il y a quand même des persos qui sont à pas piquer des hannetons. Je vais vous augmenter un petit peu la lumière, voilà, pour qu'on me voit encore mieux. Voilà, comme ça là, on est à fond. Moi, j'ai bien la lumière, bien dans la tronche, bien le matin, on est content. Voilà, comme ça, c'est fait. Et donc, du coup, on va partir invoquer. Mais avant ça, tu commences à connaître les bails. C'est le moment de mettre le pouce bleu, l'abonnement si c'est pas déjà fait, et à me dire dans l'espace commentaire si toi aussi tu as invoqué sur ce portail des Kenpachi qui vient d'arriver avec, vous allez le voir, au niveau des personnages quand même assez intéressants, voire même très intéressants, puisque niveau personnage rouge, ce petit Zaraki est probablement l'un des top personnages rouges du jeu à l'heure actuelle. Peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est pas le dernier non plus. Donc, j'imagine qu'il est plutôt dans le top 3, top 4 des meilleurs personnages rouges à l'heure actuelle. Et puis, bon, on a des personnages qui pourraient m'être assez utiles. Notamment ce Zaraki, là, enfin, c'est un Kenpachi ici, là, je sais plus son nom. En vert, là, qui lui est excellent en PVP, si je ne m'abuse. Et certaines autres unités, là, Yamamoto violet par exemple, j'ai pas. De toute façon, j'ai personne de ce portail. Donc au moins, l'histoire est réglée. Il n'y a pas, pas une unité de ce portail que j'ai déjà. Je sais pas trop, ça a l'air d'être un Yami là, en bas à droite, là. Bizarre, une version chelou de Yami. De toute façon, c'est portail Safui, je crois. Je crois qu'il l'ont appelé comme ça, non? Attends, on va vérifier. Ouais, roman Safui. Donc forcément, lui, je le connais pas. Je sais juste que c'est un Kenpachi dans ces romans-là, là. Mais j'ai pas lu, donc j'en sais rien. Je connais pas vraiment ses bails. En tout cas, du coup, il est droppable. Donc lui, soit c'est Yami version Safui, soit c'est un autre personnage. Il me semble que ça a l'air d'être Yami quand même. Ça a l'air d'être une version de Yami bizarre. Bon, Alibel, bien sûr, ici. Lui, je sais pas c'est qui, c'est peut-être l'antagoniste de roman Safui, j'en sais rien. En tout cas, il est stylé, il me semble que j'ai déjà vu, il peut être intéressant. Et bon, il me semble que j'oublie le nom de ce capitaine qui est malade, là, j'oublie son nom à chaque fois. Ukitake, je crois. Bon, je l'ai vu, je l'ai quasiment jamais vu cette unité, j'ai pas de mytho. Lui non plus d'ailleurs, je le vois jamais, donc peut-être qu'ils sont vraiment pas utiles, ils sont plus du tout joués, je sais pas. Au moins en Karaling peut-être. Ce Yamamoto violet, je le vois quand même assez régulièrement, donc c'est qu'il doit être encore assez intéressant. Et donc voilà, bref, tout ça pour dire qu'on va aller invoquer. Juste avant, j'ai quelques petits tickets que j'ai récupérés dans mon paquet cadeau. Alors, je sais pas comment ni où. Il y avait écrit pour de l'aide débutant, je sais pas quoi. Bon, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai pas cherché à comprendre. Là, je t'avoue que je sais pas qui prendre. Donc je vais attendre vos retours dans l'espace commentaire. Je pense qu'ils sont tous un peu claqués. Mais dites-moi d'après vous qui c'est que je récupère, sachant que j'ai littéralement personne de ce pool, je crois. Voilà, donc je vais attendre que vous me donniez vos petits conseils. Mais sinon, on va se faire la petite loterie ici, avec le 5 étoiles garantie. On va voir ce que ça va nous dropper. Allez, on commence. Est-ce qu'on commence bien la vidéo avec un personnage intéressant? On peut dropper, je pense, le Ichigo ici. Hein, ok, c'est Inoitora. Je l'avais pas. Donc dans tous les cas, c'est cool, ça me fait des orbes. C'est gratuit. Je sais pas ce qu'il vaut ce Noitora rouge, les gars. Vous me direz encore une fois dans l'espace commentaire. Mais en tout cas, c'est une unité que je n'avais pas. Donc, on prend toujours avec plaisir. Et puis, niveau à rencard, c'est pas comme si j'en avais 650 000. Donc, du coup, voilà. On va prendre ce qui nous a été donné. Allez, sur ce, on y va. C'est parti. On va sur la loterie des Kenpachi avec première multi-invocation qui est à 150. Sachant que tous les 5 steps, on a un personnage de la sélection garanti, si je ne m'abuse, bien sûr. Allez, on est parti. On a 9800 orbes. On va quand même pas trop dépenser, parce qu'on approche de la fin de mois encore une fois, puis je commence à être... voilà, je commençais à... Oh! Let's go! On commence directement par un 5 étoiles qui tombe. Allez. Alors, je connais pas la voix.
Ok, donc Asajiro, je sais, il est que dans sa fouille, je crois, lui, hein, ça me dit rien du tout. En tout cas, c'est un des personnages de la sélection. Je sais pas ce qu'il vaut. Vous me direz bien sûr dans les coms. J'imagine qu'il est intéressant, il me semble l'avoir déjà vu quelques fois dans certains événements ou autres. Donc ouais, au pire, première multi, on drop un 5 étoiles. Ça nous fait quand même assez plaisir. Est-ce qu'on en a un deuxième? Faudrait peut-être pas pousser. On sait jamais, on sait jamais. Ok, ok, ok. Allez, on commence bien quand même. Franchement, honnêtement, ça commence bien. On met verrouillé. Si, je crois qu'il a... Je l'ai vu régulièrement. Il n'y a pas un loot des potions ou quoi, lui? Ou des larmes ou je sais pas trop quoi? Je l'ai vu dans... Les mecs, ils le prennent là dans le raid actuellement. Ou alors, c'est juste parce qu'il a un boost dans le raid. Possible. Possible, possible. Mais je le vois jouer en ce moment. Je le vois jouer. Ok, en tout cas, content de l'avoir récupéré. On le met de côté et on continue un programme multi qui nous donne directement quelque chose d'intéressant. Donc, on continue sur la seconde. À 200, on a la chance en ce moment. J'espère que ça va pas tourner au moment où il y aura le gros portail de fin de mois. En ce moment, ça se passe plutôt bien au niveau des poules. Ça se passe très très bien au niveau des poules. Allez, un petit Zaraki rouge là, j'ai personne en rouge. C'est pas Zaraki ça, c'est Ukitake ça. Ukitake, allez direct. C'était certain. Je sais pas ce qu'ils vont encore une fois. En tout cas, nouvelle unité de nouveau. Deux multi, deux nouveaux persos. Franchement, alors on est content. On est content. Même si je sais pas ce que vaut ce petit Ukitake. En tout cas, il était stylé, l'artwork était incroyable. Hein. Franchement, l'artwork était vraiment incroyable. Il est quoi? Il est bleu lui aussi, hein. Ça fait deux bleus que je drop. Sachant que je suis toujours dans une PLS monstre au niveau des rouges, des persos rouges. Donc vraiment, il me faut ce Zaraki. Enfin, il me faudrait ce Zaraki rouge. Ça m'aiderait pas mal, je pense. Et l'autre Kenpachi vert, là, lui, là, à gauche, là, pour le PVP. On va pas... On fait deux multi, on chope déjà deux persos, franchement, c'est plutôt cool. Allez, la troisième. Si on peut continuer sur ce rythme, ça serait perfecto. Allez, continue le jeu, régale-moi. Allez, encore. Ok, fake out. Ok, première multi, on n'a rien. On comprend, on peut comprendre. C'est pas grave, le jeu. Allez, on continue. Quatrième multi invocation. Allez, s'il te plaît. Allez, allez. Le petit Zaraki rouge, là, il ferait plaisir actuellement dans la box. Il y a trois. Ok, c'est bon, allez. C'est maintenant, Zaraki. C'est lui. Attends, il y en a qu'un Zaraki dans le portail. Ouais, non, c'est lui. Voilà, voilà. C'est facile, facile, facile ce jeu vidéo. On va évidemment aller au step 5 et on ira qu'au step 5 du coup, puisque on a globalement braqué le portail. Honnêtement, 5 steps, on va voir qui on va avoir dans la garantie. Si on peut avoir le gars pour le PVP, c'est incroyable. C'est du braquage. On est content. Perfecto. 5 multi et on rentre chez nous. Exceptionnel. Allez, on a chopé 3 nouveaux persos et potentiellement un quatrième. On espère pas un doublon, alors attends, vérifie. Qu'est-ce que je pourrais dropper qui pourrait m'intéresser particulièrement? Bon, évidemment, le gars là, ici, là, de Safoui. Niveau PVP, ça m'excite. Et le mec en violet, là aussi, je le vois régulièrement jouer. Ou Yamamoto. Allez, un des trois. Un des trois, bon, sachant qu'on en a déjà chopé 1, 2, 3 sur la liste. Donc on a quand même beaucoup plus de chances de dropper un perso qu'on n'a pas qu'un perso qu'on a. Allez, on est parti. La dernière multi de la vidéo, évidemment, si c'est pas déjà fait encore une fois. Le pouce bleu, le petit Bankai. On est parti, let's go. Allez, un petit Yamamoto pour fêter son épisode exceptionnel de cette semaine. Enfin, de la semaine qui est passée. Allez, allez, Yamamoto. Ou l'autre, là. Le PVP, là. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est le gars PVP. Je connais pas sa voix, je connais pas le seiyuu. Le gars n'a pas d'animé. Et voilà, mais c'est perfecto ça! C'est perfecto! Ah, mais... Facile ce jeu! Non, mais il est facile ce jeu, les gars! Facile! Il suffit de demander qui tu as envie d'avoir. Un petit Yamamoto ici dans la multi. Et là. Là on me dislike là! Non, c'est impossible. Il y aura personne d'autre. N'abusons pas du sucre. N'abusons pas des bonnes choses. On a braqué le portail. On a récupéré entièrement ce qu'on voulait. Donc mes 5 multi ont été extrêmement worse, il n'y a pas à dire. On va aller récupérer nos petits cadeaux, parce que j'imagine qu'il y a des petits cadeaux au step, hein, comme d'habitude. Voilà, il y en a, c'est perfecto. C'est nickel, les amis, honnêtement, on a fracassé le portail. Voilà, je veux pas de mytho, là, on a vraiment fait un petit braquage en bonne et due forme. Si on filtre, si on met tout, on met par tri, et on met par... où est-ce que c'est? C'est peut-être ici. Oh, je sais plus c'est où, les amis, pour mettre les derniers droppés. Acquisition. Par acquisition, évidemment, c'est pas des 5 étoiles, c'est pas des 6 étoiles, c'est 5 étoiles. On a quand même récupéré, bon là, une Noitora, c'était sur le ticket. 1, 2, 3, 4 nouveaux personnages en 5 multi. Et parmi ces 4 nouveaux personnages, on a les 3 persos principaux de la bannière.
Allez, c'est bon, je pense qu'on est, on est plutôt ok. Bref, les amis, cette petite vidéo s'est très bien passée. J'espère que vous avez passé un petit moment sympatoche. N'hésite pas à mettre le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Oui, oui, oui. Des bisous, biscuits love peace. Ciao.